Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage, les cartes messagères des anges. Vous avez la possibilité de choisir une carte ou deux. La carte numéro gauche avec la pierre verte, la carte de droite avec la pierre rouge, c'est à vous. On va découvrir les deux cartes. La première avec la pierre verte, pierre verte pardon, c'est le courage numéro 28. Deuxième avec la pierre rouge, c'est l'ouverture numéro 13. Vous avez choisi la carte numéro 28, le courage. Voici votre défi persévérez même si le travail que vous avez commencé semble perturbé. Si vous avez tiré cette carte, c'est pour vous réconforter de votre détermination. Elle vous fait savoir que vous êtes intérieurement sur le bon chemin, que des signes extérieurs ou non indiquent un éventuel succès. Une carte de concordance destinée à vous aider à centrer votre attention sur l'acceptation complète de vos dons et capacités personnelles, sur les ressources physiques et spirituelles qui vous sont accessibles, et sur votre imagination qui est toujours votre guide. Votre interrogation porte sur le fait de savoir si les conseils que vous suivez sont les bons, alors vous rencontrez des obstacles inattendus. Cette carte vous apprend quelque chose de nouveau quant aux ressources spirituelles qui vous sont accessibles. Voici le message angélique. Vous pouvez mesurer plus facilement vos ressources physiques et vos ressources spirituelles. Les ressources spirituelles sont votre capacité à trouver Dieu à travers la méditation, source de sérénité et d'inspiration, la beauté autour de vous et en vous-même en acceptant que l'abondance et la joie soient vos compagnes de droit pendant votre existence bref les ressources spirituelles vous sont accessibles si vous avez le courage de vivre la vie comme une prière vivante et chaque moment comme un témoignage de bienfaits reçu le défi lancé à l'humanité a toujours été et sera toujours la quête de l'union avec dieu alors que cela paraît élevé et difficile chacun recherche en vain en fin de compte la paix intérieure et la confirmation d'une dimension spirituelle quelles qu'elle qu soient les mots choisis il est bien trop ardu de vivre à l'école de la terre, sans éveil de l'esprit. Pensez au courage qu'il faut, à la fleur qui se dresse vers ses étamines et son pistil nécessaire à la reproduction de son espèce. La fleur réaffirme sa beauté et son élégance tout comme vous pouvez le faire. Vous êtes beau et votre esprit excelle lorsque vous vivez avec amour et que vous avez recours à la compassion. De telles qualités sont éternelles. Lorsque vous placez votre confiance en d'autres personnes et dans la capacité de votre pensée extérieure à diriger votre vie, votre effort, votre foi et votre énergie ne sont utilisés que pour construire des ressources, des ressources physiques. Elles vont et viennent, ainsi que le courant de l'océan qui modifie sans cesse les rivages sablonneux. Vous pourriez revivre à maintes reprises de nombreuses expériences, toujours avec les mêmes partenaires, les mêmes attitudes et les mêmes croyances, sans vous en rendre compte que rond, un tel cycle permet l'accent sur vos ressources spirituelles. La pleine mesure de votre efficacité, de votre amour et de votre endurance face aux défis et aux combats se révèle lorsque éveille votre esprit un témoignage d'amour. Il contient votre intention de service significatif votre capacité à surmonter l'adversité et votre attitude à voir la beauté, la compassion et la joie là où il semblerait qu'il n'y en ait pas. Vous devenez un créateur, un initiateur divin, lorsque vous savez que votre propre esprit est éveillé. Voici votre opportunité spirituelle. Le conseil de cette carte intense est pleine de force et vous, veut vous faire savoir que malgré les obstacles qui peuvent se présenter et vous servir à éclairer un chemin est une plus grande sagesse spirituelle vers la réussite matérielle et la prospérité. Quelque chose qui vous intéresse passionnément est peut-être en danger, une relation importante est peut-être en train de se rompre ou une occasion génératrice d'abondance peut sembler s'évaporer. Les aspects de cette fleur sont destinés à vous aider à apprécier la vraie signification des problèmes auxquels vous faites face afin de vous donner le courage nécessaire pour persévérer. Vous écartez de votre chemin les anciens blocages pour avancer vers la réussite de l'abondance. Voici l'application qu'il faut faire. Lorsque vous vous sentez au seuil d'un changement ou d'un choix et que vous n'êtes pas sûr de faire ce qu'il faut, asseyez-vous et priez. Cher ange gardien permettez-moi de profiter de ce changement et de savoir quel sens donner à mon action. Permettez que les conseils m'apparaissent de façon évidente et directe afin que je sois en paix. Sachant que je n'oublierai pas et que je ne manquerai pas de répéter les jalons, que mon intention de servir et de faire les bons choix soit entendue clairement et que je sois convaincu que ce qui vient à moi profitera à ma vie de la façon la plus appropriée. Vous avez choisi la carte ouverture. Voici le défi transformer les relations en de salutaires et réciproques échanges de soutien spirituel. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de retrouver votre pouvoir, d'être attentif à l'échange d'événements importants et de prendre conscience que vous êtes sur le point de prendre des décisions capitales qui affecteront toute la structure de vos relations. Peut-être sortez-vous d'une période difficile, ou peut-être la vivez-vous encore, mais la leçon qui vous est donnée ici est d'accepter tout moyen réel même impersonnel pour évaluer la qualité de vos relations en étant à l'écoute de votre sage voix intérieure. Vous avez acquis la capacité d'entendre et d'évaluer votre propre sagesse. Cette carte vous incite à accepter ce conseil, à réévaluer toutes les relations qui se sont construites sur une base réciproque de détresse, de peur ou de pauvreté d'esprit. Voici le message angélique. L'ouverture à la limite de la réceptivité et de la vulnérabilité n'est point faiblesse, mais force spirituelle. Votre capacité d'ouverture grandit à la mesure de votre authentique sagesse qui distingue la nature transitionnelle et la réalité physique de la nature permanente du royaume spirituel et également au fur et à mesure de ce qui se réduit, votre désir de gloire et de biens matériels personnels quand votre ego s'efface pour laisser se manifester votre authentique puissance et présence spirituelle, il opère alors en vous une réelle ouverture d'où jaillit le sentiment de compassion. La voix de votre esprit intérieur, votre sage conseiller, est celui qui peut ouvrir grand les portes de votre réceptivité afin que toutes vos attentions et motivations vous apparaissent d'évidence. Si vos faiblesses humaines ne sont que pour vous le prétexte d'infliger la douleur ou de vivre dans l'indifférence, mais des moyens vous permettant d'accroître facilement votre sentiment de compassion, alors vous deviendrez honnête et réceptif. L'ouverture qui n'est autre que la manifestation naturelle d'une acceptation confiante et d'une responsabilité personnelle se produit quand vous êtes en relation étroite avec votre propre esprit éveillé. Votre vrai moi sera perceptible à tous les éléments de la vie physique ou spirituelle, car chacun d'eux aussi, de quelque sorte, possède un esprit éveillé. Vous êtes un grand livre ouvert dans lequel tout élément de vie spirituelle et intègre a la faculté de lire. Ainsi nous, maître angélique, rien ne vous échappe. Nous connaissons tous les aspects de votre vie, même si vous pensez être protégé par votre corps physique ou par des pensées mentales compliquées. Nous connaissons et accueillons vos défis et favorisons la quête de votre sage-voix intérieure. Nous agissons sans juger dans l'attente de votre succès au fur et à mesure que s'accroît votre capacité d'aimer. L'opportunité spirituelle, le conseil qui vous est donné, est d'évaluer la qualité de l'ensemble de vos relations sur le plan de la spiritualité et de la sagesse, et non pas en tenant compte uniquement de vos blessures ou de vos sentiments de manque. L'insymbolique symbolique de cette fleur réside dans le contraste de son centre doré, votre esprit, et ses sombres aiguilles pointues et menaçantes qui représentent l'inévitable dualité et conflit qu'engendre toute relation il vous est demandé d'évaluer avec toute la sagesse de votre esprit la vraie nature de vos relations, afin de prendre les décisions les plus constructives. Quelles furent les circonstances et les dénouements qui vous ont unis et vous et votre compagnon ou votre ami? Si la base de votre relation fut un engagement réciproque de soutien face aux blessures, ou alors il est nécessaire de reconstruire une base qui implique le partage réciproque de l'abondance et de l'énergie. Vous êtes peut-être attiré ou même engagé dans une nouvelle relation, ou vous êtes préoccupé parce qu'elle ne répond plus au même schéma et engendre les mêmes luttes. Le choix de cette carte fait naître l'idée de succès dans une relation nouvelle fondée sur un solide et réciproque, spirituel soutien dans la décision courageuse d'abandonner des liens qui ne sont pas susceptibles de transformer leur négativité en relation ouverte spirituellement. Voici ce que vous devez mettre en application. Le choix d'une relation dans votre vie est important. De même, le besoin de changer quand il se manifeste. Faites le point sur la qualité de cette relation, sans faire d'hypothèse sur ce qui peut se transformer et sur ce qui est immuable. Quand l'énergie spirituelle nous soutient, tout est possible. Des concordances, jusqu'alors cachées, surgissent quand on cherche à forcer le caractère, à agir ou à s'affirmer différemment. Ce comportement est souvent perçu par l'un comme menaçant. Tentez d'observer ces renforcements de force, réels ou non. Et accepter d'y consacrer du temps chaque semaine. Un dialogue constructif est capital pour toute relation. Si l'un des deux n'en est pas capable ou y refuse, alors les circonstances de vous conduiront, pardon, à jeter le masque ou bien à briser la relation. Quand l'un d'eux vous change son comportement habituel, interrogez-vous mutuellement pour voir quels sont les besoins qui ne sont pas comblés. Essayez de vous attribuer un rôle différent que celui que vous occupez au sein de votre relation, l'un par exemple faisant preuve d'autorité et l'autre de docilité. Que se passe-t-il en vous quand vous assumez le rôle qui n'est pas le vôtre habituellement Êtes-vous capable non seulement d'accepter la responsabilité de votre propre transformation, mais aussi de tolérer celle de l'autre Vous aimez ma chaîne je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.